monstre très glauque. Ah bon? Pour les âmes sensibles, puis c'est automatique activé des fois. C'est bien, on va faire ça parce que peut-être qu'on va mourir, donc on va plus chialer. Hein. Le but c'est pas que ce soit un défi, c'est que ce soit une histoire. Oui, oui, voilà. Alors moi j'ai jamais vu le jeu, mais j'ai voulu le faire. T'as voulu le faire? Ouais. Je t'ai chié dessus avant de commencer le jeu. À toutes les unités, 1199, exécutez code 3, hôpital psychiatrique Beacon. 184 reçus, code 3, on y est dans 3 minutes. Compris, 184. Désolé, inspecteur. Je sais bien que vous venez de boucler, mais je crois qu'on va devoir faire un détour. Qu'est-ce qui se passe? Une émeute? L'appel a été lancé avant que je passe vous prendre. Homicide multiple, il paraît. Il y a déjà une douzaine d'unités sur place. 131, répondez. Eh, hey, c'est peut-être le fantôme de Zocdeur qui est devenu dingue et qui a charcuté ses patients. C'est pas ça du tout. Des patients ont disparu. Et on n'en sait pas plus. Ouais. Ça reste flippant quand même. 127, 124, répondez. Joseph, tu penses qu'il y a un lien? C'est bien possible. C'est sous-scellé, mais j'ai mes sources. Si vous êtes sur place, répondez. Centrale, inspecteur Castellanos dans la 184. Quelle est la situation, à vous? 184, des problèmes sont arrivés à toutes les sur place, Boreal Beacon. Est-ce qu'il y a des... Les bordels, putain. T'as vu de la ronde, elle a bien de temps. Et vous, inspecteur Kidman? Qu'en dites-vous? Pas grand-chose. Je pense qu'on en saura plus une fois sur place. Qu'est-ce que t'en penses? Conley, contactez le central et faites-leur un rapport. Joseph, Kidman, avec moi. On va aller jeter un coup d'œil. Ok. Il me semble que je suis encore confiante. Ouais, je cours. Ouais, je pense aussi. Il y a comme une odeur de sang. Ok, fais gaffe. On va voir à l'intérieur. Que personne d'autre ne passe cette porte. Je pourrais me rendre un peu utile. On sait pas ce qu'il y a là-dedans. Restez en soutien. Tu as entendu? Je sais pas pourquoi ça fait bouger la caméra. Oui. On a un survivant. Alors? Mais moi je vais pour courir. Ouais. Vous êtes blessé? Que s'est-il passé? C'est pas vrai. Impossible. Reviqué. Je m'en occupe. Tu devrais vérifier les caméras de surveillance.
Oula, oula. Putain de merde. Ah ouais. C'est rapide en plus. Quoi ? Ben voilà, fin du jeu. C'est bien, c'était intéressant, j'ai pas eu trop peur. 5 minutes ou rien. 5 minutes ou rien. J'ai mis le jeu en détente, ça s'est senti. Ça me fait trop mal. En fait, je sais pas quel est exactement le but, donc j'y vais. Bon, c'était pas ça, au moins on sait ce qu'on a, voilà. J'ai eu peur qu'il me laisse avec un seul bras pour continuer, je me suis dit dans la flemme. Non. Bah comme ça, je saurais. Bon, il me faut une sortie. C'est là. Y'a rien à droite. Les mecs, y'a pas. J'arrive. C'est chelou. Je suis comme ça, j'ai... Ouais. Où il était. Ah mais il y a des clés. Ouais. C'est vrai que c'est plus bruyant ça. Oh putain, il perd. Dans la merde, mais comment je suis censé faire? Ah, c'était sûr. Ah,
l'inverse, non? Tu dois avancer comme ça. Je marchais pas très vite. Putain. Où est la sortie? Près du portail verrouillé, situé à l'extrémité des égouts, se trouve une échelle menant à l'ancienne aile. Si vous arrivez jusque là, vous trouverez un ascenseur menant à l'extérieur. Vous serez le premier à vous échapper. Vous serez même le seul à avoir survécu. Des clés là. Des fruits. Ok, c'est parti en couille. Le fameux ascenseur là. Pas du tout ballon. Couloir, un couloir. Armée de portes, j'aime pas ça. Je suis place après, vous pouvez me laminer la gueule, c'est pas grave. Tiens, rien. Pas des clés quelque part, on sait jamais. Simplement non. Tout ça, ça s'ouvre pas. Oula! 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 D'accord. Faut que je me planque. Je me planque. Mais il y a une camisole sur la tête.
Attends, oui, parce que je vais faire s'approche de moi. Alors là, le point de contrôle a été activé, donc il y a même que je peux sortir. Il me fait pas rêver comme ça. Je sais pas. Il est pas en haut à droite, c'est à dire je sais pas. Et là il devrait être un. Oui, mais non, je sais pas. Je sais, mais attends qu'il soit deux. Il est sorti ou c'est moi? Faut que j'aille au fond, à gauche. Au fond. Ah putain. Je vais me cacher là, non? Je me cache là, si c'est là, c'est que je me cache. Moi je pense que j'ai raison. Parce que je suis pas. Je n'aurais pas dû être là. Ouf. Bah comme ça il m'a laissé ouvert. Il m'a. Il va je pouvoir rentrer. Tu peux rentrer? Bah oui. Ah, une cachette. Bon, je peux sortir. Ah bah oui, je pensais que c'était ça qui avait été pour moi. Ah oui, putain, mais oui. C'est chiant pour moi parce qu'il faut quand même que je rentre, moi. Un ex. Au pire, je meurs. Putain, puis je suis tellement lente. En plus, il connaît mieux que moi. Point de contrôle. Je suis tellement dans un sale état. Même pas à la fin du jeu. Le noob, il a même pas pensé à couper l'électricité. Ah bah oui, c'est bon. J'ai perdu mon 3 dents. Find myself within. Je sais pas. Darkness twisting me around. Thank you.
just turns itself around and around. The night jokes tied in the noose. Je veux que je cours. Oula! Oula! Désolé, mais il est pas ressorti. J'ai attendu, mais... Allez, calme-toi, Leslie. Merde! On pourra pas y retourner. Des tsunamis et tout ça, mais alors un tremblement de terre où tout bouge comme ça, là, ça me fait pas des... Mais là, on est au-delà des plaques tectoniques, hein. Fais chier. On peut contacter personne. Tout le monde est sûrement mort. Quelques bleus, mais ça va. Ça va, ça va. Je trouve que la meuf, elle est trop ça certaine. Ira mieux quand on sera loin. Ça va. Depuis le début, ouais, un peu plus loin et tout ira bien. Oh ah. La connasse. Tu vas pas me dire qu'il a vu si il a pas ça vu. Va. Ah bah si, il a vu. Ça va. Ça va. On tombe. Ça dégoûte comme ça dégoûte. Attention! Qu'est-ce qu'il y a? On tombe! Mais qui est cette personne là, jeune, hein? Ah ouais. Franchement, on va mieux arriver dans le bain, hein. Je sauvegarde.
fait une nouvelle impression. Alors, en vrai, le chapitre 1, bon, en même temps, c'était le début, on va dire. Mais ça va. En plus, il fait jour, donc ça va, je flippe pas ma... Je flippe pas trop. Mais un truc aussi qui fait que je flippe pas trop, c'est que... C'est que... Je mets pas les vibrations dans la manette. Alors, j'ai le casque, c'est déjà assez prenant. Mais vibrations plus casque, ça va être... Moi, je pense que je commence le deuxième chapitre, mais je le terminerai pas parce que c'est déjà pas trop. Ah. Je sais pas. Bah, 30 minutes ou rien alors que je fais plus de 30 minutes, c'est un peu con. Pour l'instant, ça va, c'est cool. Moi, j'aime bien. Donc, oui, je pourrais continuer. Bah, ouais, peut-être faudrait que je fasse un autre jeu. Bon, je fais un autre jeu. Allez. De toute façon, je vais sauvegarder. Oui, ça va partir. Je sais qu'on a un tas de cinématiques, mais... Bah attends, je vais passer. Hop. Tac, tac, tac. Donc ouais, non, c'est pas nul. Hein. C'est même pas mal. J'aime bien pour l'instant. Donc je pense que je continuerai une autre fois. Alors, un autre jeu. En tout cas, lui, comme note, je crois que je mettais sur 10 les notes. Comme note, je lui mets, avec le peu que j'ai vu, je sais pas, je mettrais 7 pour l'instant, c'était pas mal. C'était quoi déjà le nom ? The Evil Within. Ouais, bah je vais le mettre dans les validés. Je vais essayer maintenant. Je vois pas le nom de ce jeu. Je vais pas te demander. Qu'est-ce que c'est? Je vais le lancer. Ah. Je vais pas refaire. Ça va être de la grosse merde, ça. J'espère pas. Easy choice. Oula. Alors, soit je les prends en Angelo. Goldie Garneau, the pleasure is all yours. Je prends Goldie Garneau, la française. Reine tueuse. Mettez vos ennemis à genoux, placez votre marque sur vos ennemis une fois marqué. C'est question de good choice. Moi je prends. Sai Wing Mok. Hey there, Tarface. Maggie d'ailleurs. Got you covered. Dion Obagnon. Good choice. Salazar Reina. You and I can do plenty of business together. Daniel Mackie Jackson. The name's Frank. But you can... Let's take this city. Yo soy Elvira Duarte. Elvira Duarte. Hey, good choice. Joseph Saltis. Ah, il y en a beaucoup, hein. Good decision. Stéphanie Sinclair. Alphonse Capone. Alphonse Capone. Yes, I'm Goldie Garneau. Elle, elle try not to stare, chérie.
mais comment je suis censée fonctionner? Je vais égaliser. Je sais pas. Je vais mettre affranchi parce que vu que je ne sais pas du tout quel type de jeu c'est, Goldie Garneau est bien connue à Chicago comme artiste et comme gangster. Elle monte dans le taxi de salle le 17 mars 1920. Mm-hmm. J'ai trop Miss peur. Miss Garneau, it's great to see you. Sal, mon ami, it's Goldie. It's been a long day, and it is far from over. To my racket, please. Are you on stage tonight, Goldie? Do you got time to change? Because, if you don't mind my saying, your dress has blood on it. Tabarnak. Pourquoi ils ont dit tabarnak alors que c'est la France? Ah, la deux radarbeaux. Ah, j'ai pas vu le deuxième. Ouais. Ah bah ça doit être canadien non? Parce que tabarnak c'est pas français quoi. Tabarnak, this dress is new. Luckily I have several the same. Well, I suppose in your game you must have a brand. Ouais bah les deux réponses on sent que j'ai tué quelqu'un aussi. I had a disagreeable encounter with a business partner but they see things my way now. Entertainment sounds like a cutthroat business. You don't know half of it. Well, you probably know all of it. How many entertainers are in your taxi each day? I do like to get to know people. M'a pas du tout répondu à la question. Do you wonder if you know too much, Sal? It's hard to keep a secret if someone else wants it. Ah, old Sal gets on with everyone. But I can't really say I know much about you at all, Goldie. What do you need to know, Sal? What you see is what you get. I know you're a proud Quebecois from Montreal. That you'll love to sing and perform all over Chicago. And in the middle of it all, you find the time to explore other underground business interests. Beyond that... It sounds like you know plenty. There's a long road between Chicago and Montreal. You still have people there? That road has been traveled. The past, je m'en fiche. Leave it where it is. I can't go against the current. The past, je m'en fiche. I wish I had that freedom sometimes, Goldie. Je sais pas, pour l'instant, c'est un peu... You could leave anytime. Right now, you could start driving and leave Chicago in the rearview mirror. Where would I go? My people are here. They will learn to live without you. You cannot be so sentimental. You may be right. My sister owes money to a crew for some liquor. She and her husband set up a casino, but the place burned down before it opened. Now these guys want their money back at twice the rate. I think the crew stole back the liquor she bought and burned the place themselves. But I can't do nothing. Your sister? You two are close? Of course. She's my sister. I can take care of it for you, Sal. Put these swindlers out of business. You'd do that for me? What would I have to do for you? Of course I would. You need do nothing. Just keep being Sal. Deal, Goldie? I can't be no one else. And if I hear a secret or two in my cab, I'll let you know. Here's a little money too, in case it costs you. Oh, Sal!
Well, usually the passenger pays the driver. Drop me near the depot on the corner. See you again, Sal. Le 14 avril 1933, la brasserie Abner Drury a livré sa première bouteille de bière légale au président Roosevelt. Non, ça a du potentiel, hein. Mais est-ce que c'est bien? Moi, j'ai peur pour l'instant. Elle dépose Goldie dans les rues de Chicago. Elle est la reine des nuits de Chicago. Bientôt toute la ville. Oula. Welcome to Chicago. Let's have a look around. Ouais. Oula. Chicago is a dangerous place, and in order to survive, you're gonna need to learn how to fight. Fortunately, I know right where you can find one. This joint belongs to Ronnie O'Neill. He calls himself the boss of the Meatpackers gang. His thugs aren't going to know what hit them. In Empire of Sin, combat is turn-based. The queue of characters waiting to take their turn is above, and the turn order is decided by a character's initiative. Ah, je fais, mais... Ah non. Ah non, 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 non. Non, mais alors là, je vais être gentil, attends. The action bar is below, in combat. Oh, shit. Comme c'est nul. Comme c'est nul. Mais ça va partir. Ça va partir, c'est nul. Putain, c'est trop nul. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Quand j'ai vu le mode de déplacement, je me suis dit, bon, ça va pas. Mais passe encore. Mais je vois ça. Des fois, j'ai envie de contacter les réalisateurs et leur dire, vous avez fait de la merde. Puis en plus, ça charge pour rien. Et hop, on se casse. Pas validé. Bon, on est parti sur un autre jeu. Le jeu d'avant, je lui donne 3. Là, c'est Genesis Noir. Sur ton live aussi, ça? Ah, ça y est. Ah, parfois la réalité est trop complexe pour votre seule perception visuelle. Selon la théorie des cordes, l'espace-temps contiendrait 5 fois plus de dimensions que celles que vous appréhendez. À quoi ressemble véritablement la réalité? Qu'existait-il avant que le Big Bang n'engendre l'univers? Ces questions sont sans réponse. Mais l'imagination matérialise l'inconnu grâce à des mythes. De cette brume impénétrable se dégage un monde aux contours familiers. Votre esprit transforme ses volutes
de fumée préternaturelle en être de chair, d'acier et de béton. Votre expérience redéfinit le monde et lui donne sa forme éternelle. Vous lui donnez un nom. Vous l'appelez la constante. C'est moi actuellement, clairement. Hein ? Oui, comme ça, j'ai compris. Pourquoi je vais prendre une autre ? Ok, j'ai compris. Moi, je vends des montres. Ça n'a pas l'air d'être du commerce déclaré. Ah, j'essaye un peu. Je peux cliquer sur le passage piéton, je ne peux pas sur les gens. Quand même pas que je vende toutes mes montres. Ok, ok. non plus, j'ai rien compris là-dessus, qu'est-ce qui s'est passé. Je crois qu'il faut un mode d'emploi pour ce jeu, c'est... Je suis devenu un cadran de téléphone. Ouais, tu composes le numéro, mais... Quel numéro ?
trappe en haut au-dessus de ce. Je vais appuyer au pif. Ouais, non, faut pas l'appuyer. Mais c'est quoi ce jeu? Un escalier en bas. Ah. 900 après une nuit d'attraction. 981 66 50 non 80 oui c'est pas prêt. Cette personne ne va pas bien, hein. On peut pas dire que ce soit pas un jeu original. Par contre, je pige rien. Mais what the fuck? Dans ma tête, là, c'est Matrix. Trop d'informations dans ma tête. Non mais c'est parfaitement réalisé, mais quand tu comprends ce qu'ils ont voulu faire. Maintenant je peux bouger. Non, en fait, parce que je peux pas bouger. Qu'est-ce que c'est que ce délire?
Une flasque contre la douleur, il y a pour lui le temps. Attends, mais... Quoi ? Hein ? On est plusieurs, là ? On est plusieurs mois ? Chanteuse en danger. Avec les nivards à l'air, clairement. La douille d'une grande déflagration. Au commencement, le Big Bang était une sphère d'une chaleur et d'une densité incalculable, uniforme et parfait. Cet humble volume contenait toute l'énergie qui allait devenir notre univers. Mais peu à peu, des imperfections apparurent. À la 10 puissance moins 37e seconde, de minuscules fluctuations dans la densité de cette énergie se sont formées. La surface de la création, ayant perdu sa parfaite stérilité, était désormais rugueuse comme un champ labouré. Ces imperfections énergétiques devinrent les germes qui allaient donner naissance aux étoiles, aux galaxies et à la structure même de l'univers. Je crois qu'il me reste 10 minutes du temps de 30 minutes et je vais pas les faire. Parce que c'est pas que j'aime pas ou que j'aime bien, c'est que... C'est trop. Quand je crois comprendre un truc, il se passe autre chose et je comprends plus. Et ce que je comprends, je suis pas là en mode ouah, trop bien, j'ai envie de jouer à ce jeu, tu vois. C'est un jeu intéressant, genre j'ai l'impression qu'il y a une certaine, pas morale, mais ils ont voulu montrer, tu vois, plein de trucs différents, genre, une autre réalité, mais j'ai pas envie de jouer, quoi. Ça me donne pas, je trouve que c'est peut-être bien en dessin animé, en film, mais en jeu, c'est un peu bof, quoi. Mais je critique pas, c'est quand même cool. Bon bref, du coup ça signe... la fin du 30 minutes ou rien, et pour ce jeu, je donne une note de 6 d'originalité, mais je n'y rejouerai pas, donc je vais pas mettre plus. Voilà.